serez vos ceintures. 2021, oh, chacun portera sa propre charge. Macam. Serez vos ceintures. 2021, oh, chacun portera sa propre charge. Macam. Papa, papa, maman, moana, yo mutozana li bandi, lokola mutu aviva evenema ya Hiroshima. Na yeli bino solution. Solution ezali na Edith Marcus Boutier. Edith Marcus Boutier a yeli biso ba produit traitant scapulaire pour hommes, femmes et enfants. Pour na ko kolisa ba suki na biso ya mutu. Ezaka kana produit moko. Edith Marcus Boutier aza na ba produit lokola huile miracle 100% naturel. Après shampoing, pommade 100% naturel bio, shampoing 100% naturel, et ça va produit 100% naturel, pas de chimie nakati, et ça te comme partout dans le monde entier. Pour la livraison d'Abisso, plus 33 74 92 26 et dites un passi aux zipili bandinangai, na komi lokola leki ya Samso. Maman, quand elle est si mignon, ça va être comme un motif. Mesdames et messieurs, lui et elle, c'est Madame Jolie Bassois, donc elle est organisatrice. Il y a Maman Boutou, il y a... Merci beaucoup. Bonne fête. Merci. Miel. Tu vas créer.
Merci beaucoup. Bonne fête. Mes conseils paient pour les balles et moi patient. Merci. La femme d'un homme est celle qu'on épouse à mairie. À la mairie, pardon. Il y a un papa chéra le bas. Donc l'état est mieux, il y a grave des gens. Pour l'air, il n'y a pas de cambo. La famille n'a pas de cambo. Mais awa. Awa, il faut que tu fasses ça. Donc, il y a 100 tours. Mais on s'en va.
biso. Mama, 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 Mirinda. Tolongi na biso. Tolongi na biso. Mama, 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 Mirinda. Balobi pour la crise d'Afrique. C'est à Christé, ma grand-mère. C'est à Christé. La crise. Ne pas la vie dans ce Pokémon. Pokémon, ya, ya. Dis-moi, tu vas où là, Brian? C'est normal. Chimène, courage. On est bien chimène, hein, Babi. Ta madame, ma lame, elle a passé de ma ramignon, ça. Elle est avec. Écho. 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 Voilà maman Bali, hein. Tu as une place pour outil, hein. Ouais, bien t'as ça. Mais le défi, tu as le bon tour, ma taille. Je vais vous aider, je vais vous donner une image. Merci beaucoup.
Bonjour à tous. Est-ce que nous pouvons nous lever? Peace.
Même à travers vous pourrez m'acclamer. Est-ce qu'on peut relancer le volume? C'est là. Ok. Donner toute notre compassion, toutes nos égards aux bien-aimés qui nous ont appelés ce soir, que nous allons tout à l'heure connaître. Si nous pouvons nous asseoir, et puis ceux qui sont à l'honneur vont se mettre debout alors. C'est monsieur Panzou. Ce monsieur Panzou et la demoiselle Temo au Pando, si vous pouvez acclamer pour eux. Merci, asseyez-vous. Ok, merci. Nous saluons tout le monde qui veut que nous puissions commencer la journée. Je sais que parmi nous, il y a des gens qui étaient déjà depuis 9h, 8h. La journée est très bonne pour nous. Nous ne nous sommes pas fatigués et nous tenons toujours. Alors, comme nous tenons, nous demandons à tout le monde vraiment d'être dans la joie parce que nos jeunes gens veulent bien nous rejoindre dans le ménage. N'est-ce pas ça? Est-ce que nous pouvons acclamer pour eux? Ok, merci bien. Nous allons parler bien du mariage cette soir. Ce soir, nous allons parler du mariage. Le mariage, ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas n'importe et quelle amitié. Mais le mariage, comme nous l'entendons, a des principes. Il est basé sur 5 principes clés que nous allons nous apprendre ce soir pour le célibataire, mais pour les mariés qui connaissent déjà. Mais rien n'empêche, pour tous ceux qui connaissent, de prêter leurs oreilles pour récapituler encore les choses de ce soir ici. Les 5 clés dont nous voulons parler ici, il y a d'abord la base juridique, il y a ce qui concerne la formation du mariage, il y a aussi les droits et devoirs dans le mariage, il y a les effets dans le mariage, et il y a d'autres préalables que nous allons ajouter. Donc, c'est là que nous allons nous focaliser ce soir. Merci bien. En ce qui concerne la base juridique, nous pouvons voir dans l'article 330, on nous dit ceci. L'article 330 nous parle du mariage. C'est un acte solennel, reconnu de tous. On peut nous lire si vous êtes déjà sur la page. L'article 330. Le mariage est l'acte civil, l'acte solennel. L'article 330. Le mariage est l'acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont engagés ni l'un ni l'autre dans le lien d'un précédent mariage enregistré établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les espèces et la dissolution sont déterminées par la présente loi. Donc nous espérons que M. Panzou que voici et la demoiselle Temo ne se sont jamais engagés dans un quelconque mariage.
sont des célibataires. Alors, nous n'allons célébrer que le mariage de celui qui n'a jamais célébré un précédent. S'il y en avait, il y a des préalables. Il y a des formes. Le premier, et puis pour entamer l'autre. Mais pour le cas ici, je crois que c'est un acte solennel public que tout le monde doit respecter. Et les jeunes gens quittent leur milieu pour venir dans l'autre étape. Cette étape, ce n'est pas difficile comme telle, mais c'est une étape qui vous fait entrer dans la vie d'un homme et d'une femme. Quand on parle d'un homme et quand on parle d'une femme, c'est-à-dire les gens ont quitté l'étape de la jeunesse. Ils ne sont plus des enfants, ils sont devenus des adultes et ces gens sont responsables maintenant. N'est-ce pas? Alors, si vous êtes des responsables, on nous dit ici que cet acte solennel va vous unir. Vous allez devenir un. Vous allez faire votre ménage et vous quitter les autres étapes. Le mariage dans les bases juridiques, toujours en 334, on nous dit que l'homme ou la femme, chacun ou chacune est libre de faire son choix du mariage. Il n'y a personne qui vous a poussé pour choisir thème. Il n'y a personne qui vous a poussé pour choisir pause. C'est votre consentement. C'est votre sentiment. Donc, quand M. Pense qu'ils sont belles par rapport à elle, n'est-ce pas? Parce que c'est, oui, quand tu regardes, d'abord, quand tu regardes Pense et tu regardes Thémo, je ne sais pas s'il est venu du ciel ou quoi, je ne comprends pas. Vraiment, c'est quelque chose. Donc, tu l'as choisi parmi qui? Dans je ne comprends encore. Pour vous, elle est unique. Comme tu l'as choisi, c'est comme si Thémo t'a choisi aussi. Et je pense que même si on doit nous comparer, je suis trop sombre même par rapport à vous. Tu es unique. Tu es meilleur par rapport à tout le monde qui est ici. C'est-à-dire que tu as choisi quelqu'un ou quelqu'une que ton cœur a voulu. Il ne va plus. Il m'a dit, voilà, tout ce que. Non, c'est vous-même. C'est quelque chose que toi-même tu as choisi. Et comme tu as choisi, tu es libre de le faire. Demain, nous n'allons plus attendre. Est-ce qu'il y a les litames ici? Il y a les licos ici. Mettez-vous un peu de vous. Qu'on vous applaudisse un peu. Mettez-vous un peu de vous. Contempler un peu ces jeunes gens ici. Vraiment, ils sont vraiment très beaux, très belles d'ailleurs. Alors, je ne crois pas qu'en vous, il y a des défauts. Pour le moment, il n'y a pas de défauts. Et je voudrais que, même si le moment où vous irez chez vous, quand vous allez commencer votre vie conjugale, qu'il n'y ait pas de défauts entre vous. Ok? Qu'il n'y ait pas de défauts. Parce que l'amour couvre une multitude de fautes. Quand vous avez l'amour, quand vous vous aimez, on ne regarde plus rien. On ne voit plus rien à vous. Il n'y a rien qui va vous empêcher d'aimer. Il n'y a rien qui va vous empêcher de donner. Il n'y a rien qui va vous empêcher de dire quoi que ce soit sur l'amour. Alors, restez comme tel, comme vous avez aimé Thémo, comme Thémo a aimé Panzou. Donc, vous n'avez rien, rien et alors rien qui peut vous dissocier, qui peut vous disqualifier dans la course. Donc, vous êtes beau et vous êtes belle. Applaudissez. De la formation du mariage, chacun a ses parents. Mais le père, parce qu'il n'y a pas. L'hospitalité, c'est pour nous les Africains. L'hospitalité, nous voulons toujours être en société. Parce que. Et tante Marie à Bali, Isabelle Père Linga par moi côté naïe, n'a pas dit que pense à Koboy a été. Et notre. Mais ici, comme vous allez former le ménage, c'est
quelque chose qui est de plus commun. Quand vous êtes seul, vous pouvez être normal. Même si vous êtes avec des gens, même si vous avez fait comment, même si vous faites quoi, vous pouvez ça le point. Mais quand vous êtes maintenant en deux, vous commencez à penser. Oui, son bras. Sa main gauche, oui, descendez ça, oui. L'homme laisse comme ça. Maintenant, tu vois ce que tu es en train de faire là-bas. Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de faire la température. Je sens plus, je transpire. Ah, voilà. Merci, descends. Alors, maintenant, nous voulons vous faire marier. C'est pourquoi nous allons vous poser ces questions-ci. Quand vous dites non, il n'y a plus mariage. Quand vous dites non, il n'y a plus mariage. Mais quand vous dites oui, voilà, nous commençons déjà pour le mariage qui va se faire. Est-ce que vous avez posé vos anneaux ici? Approchez ici chez moi. Voilà. Alors. Ok. Voilà. Vous voyez vos anneaux? Le mari va prendre l'anneau de la femme. La femme va prendre l'anneau de son époux. Oui, prenez. Allez, montrez ça. Montrez au public. Bien. La Kissa Bichot est si bon, il est fort. La Kissa Bichot, Yoka. La qui s'habille aussi la défaut italien. La qui s'habille aussi la défaut italien. Exactement. Il n'y a pas de défaut. Regarde un peu bien, regarde bien. Il n'y a pas. Oh, acclamez alors. Acclamez. C'est pour vous dire quoi? L'homme, papa, la femme devient la femme. J'ai Nanda Banani. La femme devient une femme. Nanda Banani. Yamobad. L'homme devient l'homme, Nana Banani. C'est-à-dire, ce qui est grâce, Nena Zawana, c'est une fille. Elle n'est pas encore une femme. Elle ne connaît pas préparer, elle ne connaît pas arranger les lits, elle ne connaît pas tout. C'est toi qui vas la prendre. On t'a dit qu'on s'est écouté. On t'a dit qu'on s'est écouté. Vraiment, Bogini, papa, il a fait une grâce. Grâce à toi, il a eu Wapi. Okundoni, il a eu Wapi. Quelque part. Ok, voilà, quelque part. Ok, papa, je voulais vous poser une question. Monsieur Panjou Brian, acceptez-vous de prendre un mariage? Cette belle demoiselle qui revient du ciel, du nom de Temo, nous portons grâce ici présente. Acceptez-vous? Oui. Manifestez-vous. Mademoiselle Temo, nous portons grâce.
Je ne comprends pas ce monsieur. J'ai sillonné Kinshasa Mobimba. Je n'ai jamais vu le pareil. Est-ce que acceptez-vous de le prendre en mariage? Bien sûr, je le viens avec force. Oh, avec force. Acclamez. Manifestez-vous. Manifestez avec force. Avec force. Avec force. Oh là là, non, non, non. Il y a des choses ici. Il y a des choses. Avec force. Oui. Alors, les témoins sont là. Les témoins. Ok. Monsieur Tchako. Monsieur Tchako. Que dites-vous de ce mariage? Est-ce que pour nous, le cas marié? Effectivement, ils ont les droits et le mérite. Ah, ils ont les droits et le mérite. C'est des témoins. Ils fuient là où on a baissé la tombe et tout. Ils ont droit. Ils méritent. Est-ce que nous pouvons refuser à ces gens comme ça? Il y avait quelqu'un qui dit, mais monsieur, il convient, c'est lui qui a construit ce temple. Et c'est ce temple ici. On peut le refuser. Madame Bindou. Olobinini pour Nalibalo. Elle le veut. Alobi, elle le veut. Aligner. Manifestez-vous alors. Alors, voilà, moi en tant qu'officier de l'état civil, comme vous avez accepté, moi aussi je vous fais marier au nom de l'état congolais. Acceptez-vous? Oui. Manifestez alors. Non, c'est bien, comme on a fait, il y a des symboles au bout de la vie. Pas ça, le bout. La lame, ça, il est. Mandal, mandal. S'il vous plaît. C'est toujours des exercices. Surtout que vous apprenez. Si vous voulez, j'avais quelque chose. Enfin, bref, je vais fermer la conversation. Grâce à la caméra, un binôme. Histoire que nous avons eue ensemble. Et la nouvelle page que nous sommes en train d'écrire. Cette bague représente. Non, à côté de la caméra. Attends, il y a une autre chose. Et donc voilà, je vous salue. Ah! Joe! Comprenez-moi, non, c'est Loura et Loura Chente. Comprenez-moi. Loura Chente, faut un peu. Elle veut bien parler à son mari, s'il vous plaît. Allez, allez, allez. C'est admirable. Bien. Voilà. Et puis je te fais porter cette annonce qui symbolise l'amour que je vous porte. Comme je peux toujours dire, avec toi, ça n'a jamais été un coup de foudre, mais on a eu le temps de construire cet amour. On a construit cet amour comme si on construisait une maison. Alors, on ne détruit jamais ce qu'on construit. Donc, je t'aime. Aujourd'hui, je t'aimerai
demain. Je t'aimerai pour la vie. Je t'aime pour la vie. Amen. Pour l'amour de Jésus. Amen. Montrez la main. Ok. C'est seulement l'amour. Babylone, on a besoin de sa futilité pour nous arranger et ça la crango. Napoli Moana. Alors, pourquoi il pour vous signer acte libre? Désormais, libère la grâce na benga niyo. Ok, on a vu ce que c'est. C'est un peu comme ça. Quitte à quitte. Ok. Pour l'ingé, le col à Bokituana, on s'en a vu son signe d'amour. Embrassez-vous. Beaucoup de nito. Ça voulait. Nous vous avons donné le droit de consommer votre mariage, comme dit la fille de la femme. Et beaucoup de bâtons. Voilà, voilà. Allez, venez, venez. C'est bon. Venez. Seigneur, coopérez dans la présidente de la vie. L'homme commence. Madame, encadrez votre mari. Quittez le reste comme ça. Ça va? Non. Ça va, c'est bon. Madame. Madame. Oui. Mettez-vous derrière votre. Encadrez-la. Pour la tenir, hein? Là, qui ça va aller? Ici, en bas. Ici. Ok, les témoins. Les témoins. Ok. Ok. Merci. Okay. Merci. Pour la prise de photo, la femme, c'est ici.